Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout mon matos rando, photo, bivouac. Donc on va parler du matos vraiment typé rando, camping, bivouac et aussi un peu de mon matos photo que je prends avec moi. Je profite de faire cette vidéo parce que demain je pars dans les Pyrénées donc je dois préparer mon sac dans tous les cas et je trouve ça intéressant de vous partager un petit peu mon expérience et mon matériel. Alors il faut savoir que moi en plus de la photo j'ai une activité aussi à côté professionnel parce que malheureusement je peux pas encore vivre entièrement de la photo et donc à côté de ça je travaille dans une grande enseigne de sport que beaucoup de gens connaissent et je pense que tout le monde va comprendre en voyant le matos que j'ai et je suis tout simplement conseiller randonnée là-dedans donc je connais quand même pas mal le matos. Je sais bien le conseiller, donc je trouvais ça intéressant aussi de vous donner des petits tips sur certains trucs qui sont assez primordiaux à savoir quand on fait des bivouacs, de la randonnée, etc. Allez, on va commencer avec le matos de bivouac. Alors, on va commencer par le principal. Pour un bivouac, il faut une tente. Et cette tente, je l'ai déjà depuis, ça va faire presque 6 ans, je pense que je l'ai. On est sur le modèle Quick Hiker 2 de chez Quechua. Donc maintenant, il y a un équivalent qui existe chez Forclaz. Donc c'est un super rapport qualité-prix pour le coup. Parce que sur des tentes de ce type-là, des tentes aussi compactes, des tentes de trek, on monte très vite dans les prix dès qu'on part sur des marques du type MSR, etc. Il faut savoir que c'est un modèle qui n'est pas ultra light non plus. C'est quand même 2,7 kg. C'est notamment une des pièces que j'aimerais changer un jour pour partir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, notamment il y a pas mal de tentes qui font à peu près la même taille qui sont sous les 2 kg, ça me ferait gagner quasi 1 kg. Pour l'instant j'en suis ultra satisfait, jamais eu de problème de condensation avec, elle est pratique parce qu'il y a 2 portes, une pour chaque personne si on dort à deux, et je peux que vous la conseiller. Elle commence un peu à vieillir quand même, mais pour l'instant tant qu'elle peut s'utiliser je vais continuer à l'utiliser. On va éviter de faire du gâchis. Ensuite, on part sur le matelas. Pour le matelas, j'ai un matelas Forclaz, donc le 700 ultra compact. Ce matelas-là, l'avantage, c'est qu'il est vraiment minuscule. Vous voyez, il tient dans la main. Pour un matelas de trek, il est très petit. Rapport qualité-prix, il est parfait. Et surtout, je le trouve très confortable. Ce matelas-là, il est en forme de sarcophage, comme beaucoup de modèles de trekking, pour s'adapter à la forme du sac de couchage, qui lui aussi est en forme sarcophage, pour limiter un petit peu la place. On est plus à l'exigu, mais au moins ils prennent moins de place dans le sac. Et aussi, ils sont beaucoup moins lourds. Celui-là, il n'est pas très isolant. Ensuite, peut-être la chose la plus importante quand on bivouac, en tout cas pour moi, c'est d'avoir un bon oreiller. Donc celui-là, il est plutôt petit. Il se gonfle à la bouche, bah, comme tout le reste. Et on a une petite partie en mousse au-dessus de du coussin d'air. Qui permet d'ajouter beaucoup de confort. Parce que les coussins où il y a uniquement de l'air, bah, ça reste quand même assez dur. Là, on a un peu plus de mou. Et franchement, pour la taille qu'il prend, moi je m'en sépare pas parce que j'ai beaucoup de mal à dormir si j'ai pas un bon oreiller. Ensuite, le nouveau bébé, c'est mon sac de couchage. Donc vous allez me dire que là, il est énorme et qu'il rentre pas dans un sac. Vous avez totalement raison, à part si je prends un 90 litres. On est sur un sac 0 degré, donc ce qui veut dire qu'il est fait pour qu'à l'extérieur il fasse 0 degré et pour qu'on soit confortable à l'intérieur. C'est un modèle qui est en plume, donc je vais vous dire rapidement la différence entre la Watt, qui est la plume synthétique si on peut dire, et la plume. Donc il y a des avantages et il y a des inconvénients dans les deux. Moi j'ai opté pour la plume pour plusieurs raisons, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus compacts et légers que les modèles en Watt. Par contre, au niveau de l'entretien, le modèle en plume est beaucoup plus fragile. La plume, vous le savez, c'est de la matière organique. Et la matière organique, qu'est-ce que ça fait quand c'est humide? Ben, ça pourrit. Donc si on en vient à le rendre un peu humide et qu'on l'enferme, qu'il n'a pas le temps de sécher, etc., il peut commencer à moisir à l'intérieur. Donc très gros problème d'odeur déjà, et aussi ben, on perd toute la chaleur. Tout le gonflant de la plume, tout ce qui fait qu'elle isole vraiment bien, là on le perd. Aussi, deuxième chose, c'est que si on le compacte trop longtemps, vraiment, hop, vous voyez, la taille que ça peut prendre déjà. Si on le compacte vraiment très longtemps, elle reste comprimée et elle va perdre en gonflant, c'est un peu pareil. La Watt, ça va agir à peu près pareil, mais ça va être un peu moins flagrant que sur de la plume. Donc il faut vraiment faire bien attention à ça. Et c'est pour ça que chez moi, je l'entrepose dans ce gros filet pour qu'il garde son gonflant et qu'il soit pas du tout comprimé les moments où je l'utilise pas. Ça sert à rien de le mettre dans sa housse de compression. À force, la plume va se comprimer et on va avoir beaucoup moins d'isolation du froid. Donc là, on passe de ça à ça. Donc voilà, une fois que c'est compact, vous voyez que ça prend beaucoup moins de place.
Celui-là, il fait moins de 1 kg, on est à 945 grammes. Et franchement, je gagne quasi 1 kg par rapport au modèle synthétique qui existe. Aussi, je vous donne une petite astuce, les sacs de couchage, il faut éviter de les plier, de les rouler toujours de la même manière pour les ranger dans leur housse. Ils sont faits pour être vraiment bourrés dedans. Alors pourquoi faire ça? C'est tout simplement pour éviter de faire les mêmes points d'usure constamment. Parce que si vous le roulez constamment, vous faites toujours les mêmes plis. Bah, au niveau des plis, vous allez créer des points de fragilité qui risquent de se trouer avec le temps. Alors que là, vu que c'est dû à un peu aléatoire, ça va jamais s'user au même endroit et on va avoir une usure qui sera beaucoup plus lente dans le temps. Et mon dernier accessoire que j'utilise assez rarement mais que je devrais un peu plus utiliser, c'est mon drap de sac. En fait, un drap de sac ou sac à viande, certains l'appellent comme ça, c'est un drap qu'on va mettre dans le sac de couchage et dans lequel on va se mettre, ce qui permet d'ajouter un petit peu de confort. Là, celui-là, il est en soie pour qu'il soit beaucoup plus léger et aussi beaucoup plus compact. Et surtout, ça évite de salir son sac. Comme je vous ai dit, tout ce qui est sac de couchage en plume duvet, bah, c'est très fragile et ça faut éviter de le mouiller. Qui dit éviter de le mouiller, il faut éviter de les laver aussi. Moi, mon but, c'est de jamais le laver. Ça peut paraître un peu crado, mais au moins, je l'abîme pas. Et puis pour le peu où je l'utilise et les moments où je l'utilise, dans tous les cas, l'odeur il y en a. Et du coup en utilisant ça à l'intérieur, bah, je salis uniquement le drap de sac et pas mon sac de couchage, donc j'aurai que ça à laver. Et ça pour le coup ça craint pas du tout le lavage. Et je prolonge encore une fois la durée de vie de mon produit. Allez, on va passer à tout ce qui est accessoires de camping. Allez. Aux accessoires de camping. Donc on va parler de tout ce qui est alimentaire, trousse de secours et petits accessoires autres. Donc d'abord au sujet de l'eau, j'ai des gourdes en alu. Moi je pars souvent avec beaucoup d'eau parce que j'ai toujours peur d'avoir mal au crâne. J'ai souvent mal au crâne en bivouac parce que je m'hydrate pas assez sûrement. Là pour les Pyrénées, je pars une nuit, donc j'ai pris 1,5 litre plus 1 litre plus une petite flasque comme ça. Donc c'est une flasque de trail. L'avantage c'est que une fois que je l'ai bu celle-là, elle prend vraiment plus de place. Je peux la compacter dans le sac, ça pèse rien et ça prend pas de place. Et vu que je vais partir à un endroit où il y a pas mal de lacs, je sais qu'il y aura de l'eau plutôt en haute montagne, donc qui est plutôt safe au niveau sécurité alimentaire. Et si jamais je dois prendre un petit peu d'eau dans un ruisseau, j'ai acheté des pastilles. C'est des pastilles qui purifient l'eau. Alors je mets ça, ce sont des petites pastilles micro-pures. L'avantage c'est que ça sécurise l'eau, donc ça purifie toute l'eau, il n'y a plus de bactéries, plus rien. Par contre, c'est assez puissant. Donc le désavantage c'est que ça va attaquer un peu le système gastrique, donc on risque d'avoir un peu mal au ventre si on en utilise trop. Donc ça je l'utilise vraiment plutôt en dernier recours. Je garde pas le carton, je garde que vraiment la plaquette pour que ce soit plus léger et que j'ai pas un truc trop volumineux. Du coup, je vais vous parler de cette petite poche. C'est une petite poche où je mets toutes mes ustensiles de cuisine. Donc quand je dis cuisine, c'est souvent pour faire des lyophilisés. Donc on se calme, il n'y a pas besoin d'avoir une spatule en bois et une poêle Tefal. Mais plutôt, on est sur un petit réchaud. C'est un réchaud de Trek. Donc l'avantage, c'est qu'il est vraiment tout petit. Il a un plutôt très bon débit pour ce que c'est. Il y a un petit piezo qui est intégré devant, je ne sais pas si on peut voir. Par contre, sincèrement, le piezo, maintenant, ça va déjà faire plus d'un an et demi, je pense que je l'ai. Et le piezo, il marche une fois sur 100. Donc, je ne lui fais pas entièrement confiance là-dessus. Après, sur le reste, il fonctionne très bien. Il se déploie comme ça. Et il se met sur des bouteilles de ce type là, donc il y en a des plus petites qui existent, des plus grandes. Là pour une nuit je préfère toujours avoir un peu de secours et donc je prends ce format là et on n'a qu'à la visser tout simplement dessus. Donc, on va avoir une petite perte, c'est normal. Et après la manivelle on peut même la déplier et là on met le gaz, on l'enlève. Donc ça me permet de faire cuire mon eau qui va me permettre de manger mes plats lyophilisés ou de me faire par exemple du café. Pour boire ce café, petite tasse pliante Sea2 Summit. Son avantage, c'est dans son nom, c'est que ça se plie et que ça prend zéro place une fois que j'ai fini mon café. Pour faire bouillir l'eau du café, décidément tout tourne autour du café, j'ai mon réchaud, j'ai ma popote. Donc c'est une popote qui est assez compacte, qui est plutôt utilisable que pour faire chauffer de l'eau. La dernière fois j'ai fait de la cuisine dedans. Quand je dis de la cuisine, j'ai fait des pâtes, j'ai mis de la sauce, tout ça dedans, tout a collé. C'était affreux. Vaut mieux avoir des choses anti-adhésives si vous voulez vraiment faire de la cuisine. Et là l'avantage c'est que c'est vraiment très léger. On a la poignée qui se déplie comme ça.
Voilà, là on a la poignée, ça bouge plus. Son avantage aussi, c'est que vu qu'on est sur la même marque, eh bien, ils font les choses bien. Ils font tout pour que ce soit optimisé pour leurs produits. Donc là, on a le réchaud, je crois que c'est le MT500 de chez Forclaz. On a le réchaud qui va pile poil dedans pour être vraiment bien stable. On a les petites courbures ici qui viennent vraiment caler ma casserole. Je me suis déjà pris plusieurs casseroles d'eau bouillante sur les jambes parce que le petit réchaud comme ça était tombé. Donc là, on a quelque chose de vraiment stable. Ça, c'est très très cool. Donc comme je vous ai dit, le piezo, donc la petite étincelle qui crée la flamme sur le réchaud est un peu pourri. Du coup, qu'est-ce que je prends en plus au cas où? Une pierre à feu. Donc la pierre à feu, bah, ça me permet de faire quelques étincelles. Et ça suffit pour allumer mon réchaud. Et si jamais ça, j'y arrive pas, ben j'ai le bon vieux briquet. Voilà, on en a fini pour la petite pochette. Donc je mets tout dans des petites pochettes comme ça pour pas que ça se perde dans le sac. Parce que ben, quand on a un gros sac de 70 litres et qu'on doit chercher nos affaires dedans, généralement c'est un peu la galère. Donc je compartimente les petits objets dans des petites housses. Et notamment tout ce qui est après alimentaire, là je vais le rajouter dans une petite poche que j'ai recyclée. C'était une poche pour un matelas que j'ai récupéré, le matelas était percé. Mais j'ai gardé ça, comme ça, ça fait une petite poche et je peux tout mettre dedans, fermer, et au moins c'est hyper facile à trouver dans le sac. Autre chose néanmoins très importante, le saint PQ. Donc pour ramener tous mes trésors du PQ, ben, je prends toujours un sac plastique pour venir prendre tous mes déchets, et notamment le PQ. Parce que dans la nature, on ne laisse aucun déchet, bien sûr, ça paraît logique. Le petit plus que j'avais pas pris la dernière fois et qui m'a bien manqué, c'est des boules-caisses. Parce que quand il y a du bruit dehors, du vent, etc., bah, avec des boules-caisses, moi je dors mieux. Ensuite, on a un couteau, le couteau Bear Grylls que j'ai eu en cadeau il y a longtemps. Je prends toujours un couteau avec moi, histoire d'avoir quelque chose pour couper de la corde, j'en sais rien. C'est toujours dans ce souci un peu de au cas où. Au cas où j'en ai, si j'ai besoin de me détacher d'un truc, j'en sais rien, de me battre contre un ours à main nue. Ensuite, on a la frontale qui me permet de m'éclairer pendant tout le moment bivouac dans la tente ou à l'extérieur pendant que je cuisine et qu'il fait nuit. C'est une frontale qui est quand même assez puissante et qui me permet de randonner avec. On a quand même une super visibilité devant nous. Donc la frontale, c'est un outil primordial en bivouac. C'est quand même quelque chose de sécuritaire et très important. Et est-ce que vous savez à quoi elle sert, celle-là? Beaucoup de gens l'ont sur leur frontale, mais est-ce que tout le monde sait à quoi ça sert? C'est tout simplement une lumière qui n'éblouit pas. Pourquoi ne voudrions pas être éblouis? Déjà, c'est pas très agréable d'être ébloui. Et souvent, quand on est en bivouac ou en nature, dans un lieu sombre, on a nos yeux qui vont un petit peu s'adapter à la lumière et les pupilles qui vont se dilater pour absorber beaucoup plus de lumière, ce qui nous permet de beaucoup mieux voir dans la nuit. Et si on a besoin d'un peu plus de lumière, on va mettre celle-là. Cette lumière-là n'éblouit pas, donc on va garder nos pupilles bien dilatées et après utilisation, on aura gardé notre vision nocturne. Alors que si on utilisait la lumière blanche, une fois qu'on l'éteint, on a perdu toute sensibilité à la nuit. Et dernière chose que je vais prendre, question sécurité, j'ai toujours une petite trousse comme ça, c'est ma trousse à pharmacie, trousse de secours. Dedans, je mets plusieurs choses. Je mets souvent de la crème solaire. On sait jamais si on en a besoin. Éviter une insolation, c'est plutôt important. Deuxième chose, je mets une couverture de survie. Je vais vous l'ouvrir, mais c'est vraiment pour vous parce que c'est chiant à remettre. Hein. Donc dedans, j'ai une couverture de survie. C'est une couverture qui est un peu plus épaisse que les couvertures classiques, ce qui permet de la réutiliser plus facilement. Toutes les couvertures de base qu'on a dans la voiture, etc., dès qu'on les utilise, souvent elles finissent en boule ou déchirées parce qu'on n'arrive pas à les reprendre. Là, je peux à chaque fois la plier et je viens la réutiliser. Donc c'est quand même plutôt pratique dans un souci d'éviter de jeter tout le temps des choses. Dedans, j'ai aussi quelques pansements, une pince à épiler, de quoi me nettoyer une plaie si jamais je me blesse. J'ai aussi quelques cachets pour si j'ai mal au crâne, parce que j'ai tout le temps mal au crâne. Et dernière chose, j'ai toujours avec moi des lacets. Donc là, j'en ai plus qu'un sur la paire, parce que l'autre, je l'ai déjà utilisé sur une chaussure. Ça, c'est ultra important d'avoir ça dans son sac de rando. Tout simplement parce que nos lacets sur les chaussures de rando peuvent casser, ça arrive, moi ça m'est arrivé une fois. Le lacet, avec le temps, ils subissent un peu d'abrasion et ils se cassent plus facilement avec le temps. Pendant une randonnée, j'ai sûrement dû passer dans une branche, les lacets n'ont pas tenu, ils ont lâché et j'ai commencé à marcher avec une chaussure qui était complètement détachée. Ça aurait été plutôt dangereux
Et j'aurais pu me faire mal, et en tout cas j'aurais vécu un moment pas très agréable. Et sauf qu'on m'a dit un jour d'avoir toujours des lacets dans mon sac, donc j'ai pu remplacer mes lacets et finir ma randonnée tranquillement. En plus, les liens comme ça, ça sert toujours si jamais on a besoin d'attacher des choses, de faire un nœud, quoi que ce soit, c'est toujours utile d'en avoir. Donc je vous recommande, si vous pouvez prendre un truc qui est vraiment pas cher et qui sauve dans pas mal de cas, c'est de prendre des lacets ou de la paracorde, des choses comme ça. Allez, on en a fini pour tout ce qui est accessoire, et maintenant on va passer à ce que je prends généralement comme habit. Alors pour ce qui est de mes habits que je prends en randonnée, on va commencer par les chaussures, par le bas. Là je me prépare pour un bivouac où il risque de faire zéro la nuit, donc on est sur des choses plutôt froides. Donc là je prends mes grosses chaussures de rando, donc c'est des Mendel, je suis super bien dedans, ça va faire 3 ans que je les ai. Les chaussures de rando, faut savoir que c'est quelque chose de très très subjectif, on peut pas donner une science exacte dessus, ça dépend vraiment de la morphologie de votre pied, donc si jamais vous en cherchez, il faut essayer plein de modèles, sincèrement, vaut mieux aller dans un magasin où il y a plein de choses, plein de choix, trouverez un moment un modèle où vous vous sentirez mieux. Généralement on prend une pointure au-dessus. Deuxième petit tips que je peux vous donner. La règle est plutôt simple pour choisir ses chaussures, c'est qu'il ne faut pas toucher à l'avant. Il faut avoir un petit centimètre à ce niveau-là pour que lors des descentes, votre pied n'aille pas taper constamment contre la paroi, parce que sinon on finit avec des orteils plutôt bleu-noir selon les randonnées. Et ensuite, la deuxième règle, c'est de ne pas se sentir serré nulle part, même sur les côtés. Si vous vous sentez serré sur les côtés, c'est que vous avez un pied plutôt large. Dans ce cas-là, il faudra aller sur d'autres modèles. Mais attention à ne pas prendre aussi trop grand et d'avoir le pied qui déchausse à chaque pas et qui va risquer des ampoules. Donc les chaussures de rando, c'est vraiment quelque chose de très délicat à choisir. Donc prenez le temps et n'hésitez pas aussi à investir. C'est vraiment, je pense, la part de confort la plus importante qu'on a en randonnée. Donc ces Mendel, elles sont Gore-Tex, donc ça veut dire qu'elles ont une membrane imperméable, que je peux marcher dans l'eau, dans l'humidité avec, je suis pas mouillé. Elles commencent quand même un petit peu à vieillir, donc quand j'ai des journées vraiment très humides, je peux commencer à avoir de l'eau qui traverse. Mais pour l'instant, elles me vont encore très bien, donc je vais essayer de les user jusqu'à ce qu'elles finissent par se décoller. Pour ma part, j'ai toujours des chaussures montantes, tout simplement parce que j'ai la cheville qui se tord facilement, et vu que je suis mené souvent à me filmer en même temps, en tout cas faire plusieurs choses en même temps, et que je suis pas ultra attentif à mes pieds, et ben je trébuche souvent, ou alors je me fais souvent des chevilles. Là, d'un aspect sécuritaire, d'avoir des montantes, ça me permet d'avoir un maintien. Donc les chaussures de rando, ça dépend vraiment du type de rando que vous faites. Là pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui passe partout, c'est fait plutôt pour du trek, donc un usage vraiment intensif sur des chemins plutôt périlleux, on peut dire. Moi je voulais quelque chose qui passe partout, où je puisse être en sécurité partout, donc ça fait vraiment bien le taf. Ensuite, là pour les chaussettes, je vais prendre qu'une paire de chaussettes. En bivouac, faut savoir qu'on est souvent dégueu, et là ça va être le cas. Je vais pas prendre des affaires de rechange pour une nuit, donc je prends juste une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes plutôt hiver avec un peu de laine dedans. L'avantage principal de la laine, c'est que on a une sensation beaucoup plus agréable pour la chaleur, et surtout quand on transpire dedans, ça garde la chaleur, alors que sur certains types de tissus, on a facilement froid. Par exemple, si vous transpirez dans du coton, vous allez avoir très vite froid dès que vous allez vous arrêter, alors que le coton va s'imbiber de transpiration, mais ne va pas garder le froid, donc vous allez quand même avoir la chaleur du corps dessus, donc ça c'est vraiment non négligeable. Et donc ces chaussettes-là me permettent d'avoir chaud, mais elles respirent un petit peu, donc dans la journée ça devrait le faire, je devrais pas avoir trop chaud aux pieds, mais surtout dans la nuit je serai bien au chaud. Ensuite le pantalon, bah là il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste un pantalon de rando, donc un pantalon, faut être confort. C'est globalement ça. Après celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même pas mal de poches. Il est très élastique, donc très confortable et assez léger. Donc j'en demande pas plus pour un pantalon de rando. Et pour la nuit, là je vais prendre un collant thermique que je vais mettre sous ce pantalon si jamais j'ai vraiment froid. Ensuite, passons sur le haut. Pour la journée, je vais avoir un t-shirt en laine mérinos à manches courtes qui respire très bien. Il y a les propriétés de la laine que je vous ai dit tout à l'heure qui permettent de, quand on transpire, on n'a pas froid. Et en plus, celui-là, il est plutôt léger, donc il respire super bien. Et donc s'il fait froid, j'ai pris un manche longue, donc ça c'est pareil, c'est un modèle en laine mérinos manche longue qui me permettra de me tenir beaucoup plus chaud. En bivouac, quand il fait froid, je déconseille totalement, on met pas de coton sur la peau, le coton ça tient pas du tout la chaleur, donc le mieux ça reste la laine pour ça. Ensuite on va passer rapidement aux vestes. J'ai un sans manche qui respire pas mal, avec tout le devant qui est coupe-vent, donc ça je trouve ça plutôt agréable quand on randonne et qu'il fait froid. Et juste au-dessus de ça, on a un coupe-vent polaire, donc là il n'y a pas grand chose à dire. Les polaires, il y a plein de types différents, il y en a des plus légères qui vont mieux respirer quand on fait du sport, des plus lourdes qui vont
vont être mieux juste pour la chaleur. Là, c'est plutôt un entre-deux. On a de la polaire gaufrée, ce qui permet d'emprisonner de l'air et de créer une couche isolante autour de la peau et d'être du coup beaucoup plus légère parce qu'il y a moins de matière. Donc ça, c'est vraiment la polaire veste capuche que je mets tout le temps et que vous voyez, je crois, dans 100% de mes vlogs, à mon avis. Pour tout ce qui est vêtements, on fait ça avec trois couches différentes. La première, le principe, c'est surtout d'isoler de la transpiration et de bien l'évacuer. Donc on a quelque chose qui respire et quand on a vraiment froid, quelque chose plutôt en laine qui va tenir la chaleur. La couche 2, c'est celle qui va tenir chaud, donc ça peut être une polaire, une doudoune. Et la couche 3, ça va être quelque chose qui isole de l'extérieur. Donc la doudoune fait souvent le cas de l'isolation. Et si jamais, par exemple, il pleut, tout ça, j'ai toujours avec moi un imperméable. Donc en parlant de la doudoune, c'est celle-ci. Donc c'est une doudoune vraiment faite pour l'hiver qui est très très chaude. C'est une doudoune en plume et en duvet. Donc pareil que mon duvet, on a les mêmes problèmes avec ça. Ça, interdiction de le mettre sous la pluie. S'il commence à pleuvoir, dans ce cas-là, j'ai mon imperméable qui est très léger et qui me permet vraiment de résister à de grosses pluies. Donc ça, c'est vraiment primordial d'avoir une couche imperméable au-dessus pour pas mouiller la plume et aussi pour pas finir mouillé. Parce que si on finit mouillé et qu'il fait froid, c'est violent. Et le dernier petit point, j'ai une casquette pour me protéger du soleil et le soir, un bonnet pour me protéger du froid. Et petite astuce avec mon bonnet, ça me sert de cache-œil la nuit. Le dernier accessoire que j'ai et que j'emporte au cas où pour les fins de journée, ce sont des gants. Là, pour le coup, j'ai pris ces gants-là, c'est des gants en mitaine. Donc l'avantage de celui-là, c'est vu que c'est une mitaine, on a les doigts qui sont accessibles, on a le reste de la main qui est couverte, qui a chaud. Et vu que moi, je fais de la photo, j'ai besoin souvent de la dextérité, pas avoir des gants trop épais. Sinon je peux pas atteindre les boutons, je peux pas être vraiment efficace avec mon appareil. Donc je trouve que ça c'est vraiment le parfait compromis. Là on a la moufle qui me permet d'avoir une très bonne dextérité. En plus on a le pouce qui est enlevable aussi. Donc on peut vraiment avoir tous les doigts et vraiment bien utiliser son appareil. Et le dernier point c'est qu'on a ce petit manchon qui est aimanté, qui nous gêne pas du tout quand on l'utilise. Et si à un moment on vient à attendre un petit peu, à avoir froid, on peut la mettre. Et là, ça nous fait une moufle qui tient vraiment ultra chaud. Parce que le principe de la moufle, ça reste le gant le plus chaud parce que les doigts se tiennent chauds entre eux. La chaleur corporelle, en fait, nous maintient dans une bonne chaleur. Alors que dans des gants séparés, bah, c'est plus dur de garder sa chaleur. Donc ça, c'est l'investissement, l'énorme investissement de cette année. Ce sont ces gants. Je les ai eus en cadeau à Noël parce que bah, je les voulais vraiment et j'en suis ultra content parce que dans la pratique de la photo de paysage, c'est ultra, ultra pratique. Allez, on va passer à la dernière partie de la vidéo. On va passer à tout ce qui est matos photo. Je continue sur la même transition. Alors je vais pas partir sur du côté ultra technique sur le matos photo parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais je vais vous parler brièvement de ce que je prends avec moi en bivouac. Alors première chose, ben, je prends tout simplement mon appareil photo, je prends aussi mon Fuji X-T4 et le X-T3 qu'on a ici. Pourquoi je prends les deux? C'est tout simplement parce que bah, je fais ce genre de vidéos. Si je faisais pas les vidéos, je pense que je partirais qu'avec un appareil. Mais là, vu que j'ai besoin de me filmer pendant que je prends les photos, tout ça, bah, c'est beaucoup plus simple d'en avoir deux. Par contre, bah, du coup, je m'alourdis un petit peu. Pour la qualité des vidéos, je préfère avoir les deux. Après, pour les objectifs que je prends avec moi, bah, je prends mon grand angle, le 10-24. Je prends mon 55-200 qui est juste là. Je prends aussi le 35mm f1.4 et en dernier je prends aussi celui qui fait cette vidéo, c'est le 16mm de chez Sigma f1.4 aussi. Encore une fois, si j'avais pas à faire ces vidéos, je pense que je ne prendrais pas le 16mm parce que pour du paysage, 16mm f1.4 c'est pas spécialement utile. À la limite c'est utile pour faire plutôt de l'astrophoto, donc là ça va vraiment dépendre du bivouac que je fais, si j'en ai besoin ou non. Et pareil, le 35mm f1.4, si je faisais pas de la vidéo, je le prendrais pas. Ces deux là c'est des objectifs qui sont très lumineux, donc quand je suis en basse lumière, quand on est en train de faire les vidéos, pendant que je fais le bivouac, que je suis en train de me faire à manger, tout ça, je vais pouvoir filmer facilement avec, même avec une faible luminosité, alors que les autres, il y en a un qui est à f4 et l'autre à peu près pareil, et en basse lumière c'est carrément impossible, je suis obligé de monter beaucoup trop dans les ISO, et j'aurai des vidéos vraiment horribles au niveau de la qualité. Donc sans ces vlogs, je porterai uniquement deux objectifs et un appareil avec moi. Ensuite, j'ai avec moi mes batteries pour le Fuji X-T3. Donc là pour le coup, moi j'en ai 4 en plus de celle qui est dans l'appareil, donc en tout j'en ai 5. J'ai pas encore investi dans des batteries pour le Fuji X-T4, mais il tient très très bien la batterie, donc j'en ai pas ressenti vraiment le besoin. Et en plus, je vais à chaque fois en bivouac
avec une batterie externe. Celle-ci, elle est ultra lourde et elle est pas très efficace, mais elle était pas très chère. Et là, pour le coup, bah, chercher un truc pas trop cher, j'avais pas les moyens de prendre un truc ultra haut de gamme, très léger, ultra efficace, tout ça. Mais ça fait très bien l'affaire. C'est vrai que c'est une brique. Et on a des fiches ici, vraiment pour tout type de recharge. Donc avec ça, je prends deux câbles, un câble USB-C pour recharger le Fuji X-T4 directement sur l'appareil. Et j'ai aussi un câble USB normal qui me permet de mettre cette station de recharge où je peux mettre deux batteries du X-T3. Donc généralement, les batteries me tiennent sur la journée. La nuit, je mets tout à charger pendant que je dors. Et le matin, comme ça, je repars avec des batteries entièrement pleines. Autre chose que je prends pas à tous les coups selon où je vais, là, je prends mon kit de filtre. Donc j'ai un kit de filtre de chez Nissi. C'est le kit débutant qui a vraiment la base, on va dire. Donc dedans, j'ai un filtre polarisé. J'ai un filtre ND 10-stop qui est bien mais pour des ultra longues expositions, et souvent 10-stop c'est beaucoup trop, et j'ai aussi un filtre gradué que je me sers de temps en temps. Donc ça, je vais le prendre pour ce bivouac parce qu'on va être sur des lacs et aussi on va avoir pas mal de rivières. J'ai envie de me garder la possibilité de faire des longues expositions. Certes, ça prend quand même de la place et du poids, mais ça me permet de créer des choses, de pouvoir faire ce que j'ai en tête. Et deuxième filtre que je prends avec moi, c'est encore un filtre Nissi, et cette fois-ci c'est un filtre circulaire. Comme vous pouvez voir, il va se teindre plus ou moins. Donc l'avantage d'un filtre circulaire ND, de pouvoir s'adapter à tout type de lumière beaucoup plus rapidement qu'avec des filtres fixes. Disons que je mets un filtre 10-stop qui me fait une exposition de 30 secondes. Dès que je vais être sur le coucher de soleil, que la lumière va baisser petit à petit, je vais être obligé d'augmenter de plus en plus mon exposition, donc partir sur des expositions de 2 minutes, etc., pour réussir à avoir une photo bien exposée. Alors qu'avec ça, en soi, je peux, si la lumière diminue, je peux l'éclaircir un petit peu et garder mon temps d'exposition pareil. Donc je prends ces deux filtres, ce qui me permet de m'adapter, de pouvoir faire des longues expositions en plein jour et un peu sous toutes les lumières. Avec ça, je prends les bacs d'adaptation. Ça, je suis bien obligé, c'est très léger, c'est un peu encombrant, mais je suis bien obligé pour pouvoir adapter les filtres à tous mes objectifs. Ensuite, j'ai acheté cette petite trousse. C'est une trousse normalement de toilette, qui est vendue pour une trousse de toilette. L'avantage, c'est qu'il y a trois compartiments, et ces trois compartiments, ils sont vraiment cool quand on part pareil pour bien s'organiser dans son sac. J'ai une poche où généralement je mets mes batteries, celle-là qui est un peu plus grosse. Ensuite, je vais mettre la station de recharge ici, et je vais mettre les câbles ici. Comme ça, j'ai tout bien organisé dans mon sac et on gagne pas mal de temps quand on cherche des affaires. Et dernier ustensile que j'utilise maintenant tout le temps, c'est cette petite pochette banane qui a une bandoulière, donc que je mets comme ça, qui est vraiment ultra pratique. Franchement, c'est un investissement que j'ai fait. Quand je dis investissement, c'est genre 20 balles, mais ça en vaut vraiment vraiment le coup, parce que ça me permet tout simplement d'avoir accès à mes objectifs beaucoup plus rapidement, à mon matériel beaucoup plus rapidement, et d'être beaucoup plus réactif. Donc notamment, c'est utile pour la photo, pour mon cadre pro aussi, pour les mariages, tout ça, c'est ultra pratique, pas avoir à chercher les choses dans le sac tout le temps. Et aussi, c'est bien pratique pour la vidéo du coup, parce que j'ai aussi besoin de changer d'objectif plus régulièrement. Ça permet d'être vachement rapide sur le terrain, d'avoir quelque chose comme ça, et de moins avoir la flemme peut-être de sortir l'appareil, parce que quand on l'a dans le sac, ça nous restreint assez vite. On a peu de motivation des fois à sortir pour une éventuelle composition qui peut éventuellement marcher, alors que là, on a accès directement, on la prend. Si elle a fonctionné, tant mieux, si elle fonctionne pas, tant pis. Mais ça nous incite à faire plus de photos et à continuer à travailler notre œil. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Dedans, je vais pouvoir y mettre, on va dire, un appareil photo et deux petits objectifs, ou deux objectifs, c'est généralement le cas. Généralement, j'ai mon appareil photo à côté qui est sorti en bandoulière autour du cou. Et là-dedans, je vais mettre mes batteries, deux objectifs au moins, et je vais avoir aussi mes accessoires de nettoyage. Donc, la petite bombette, très utile pour enlever tout ce qui est goutte d'eau, tout ça, et pas venir l'étaler sur la lentille, et pour enlever tout ce qui est poussière rapidement. Après, j'ai plein de microfibres comme ça. J'en ai plein, parce que généralement, soit ils sont mouillés à force, soit ils sont... Je sais pas, il y en a plein, il vaut mieux en avoir. J'en ai 4 avec moi. Et la dernière chose que je vous avais présentée une fois lors d'un vlog, c'est cette petite charlotte qui permet d'être mise sur l'appareil photo quand il pleut. Par exemple, on est en train de photographier un paysage, on a une composition en tête, on l'a déjà placé notre appareil, mais il se met à pleuvoir et on attend un peu que les lumières changent. Et on a notre trépied, notre appareil qui est en train de prendre les photos. Et en attendant qu'on prenne une nouvelle photo, on va placer la charlotte. Si jamais on a besoin d'accéder à l'objectif
on protège quand même une grosse partie de l'appareil avec ça. Ça pèse rien, ça coûte rien, et pourtant ça limite quand même beaucoup la casse sur les appareils qui prennent trop l'humidité, parce que c'est quand même un des plus gros risques. Et en dernier, bah, y a mon trépied, c'est mon trépied Sirui, dont je suis très content. C'est un trépied carbone qui est plutôt très stable. C'est pas le plus léger, j'ai un modèle plus léger, mais ce qui est beaucoup plus petit. Et là, pour le coup, sur certaines randos, je vais le prendre, je vais privilégier le petit léger. Mais là, pour celle-ci, je vais prendre mon gros trépied, qui va être plus stable si jamais il y a du vent, et que je peux mettre beaucoup plus haut aussi en hauteur. Donc pour certaines compositions, j'aurais besoin d'avoir cet accès en hauteur. Et là, avec ce trépied-là, j'en suis capable. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai énormément d'affaires. Ces affaires-là, bah, je les ai acquis au fur et à mesure, parce que bah, ça coûte quand même un certain coût. Là, ça doit faire déjà à peu près 6 ans que je collecte petit à petit, que j'améliore mon matériel petit à petit. Et là, je suis plutôt content de ce que j'ai. Les points que je vais pouvoir améliorer, ça va être la tente qui commence à se faire vieille et qui est plutôt lourde. Sinon, sur le reste, je trouve que je suis vraiment bien équipé. Donc là, je vais vous présenter les deux sacs que j'utilise lors de mes bivouacs. Alors, le premier, je ne le présente plus. C'est mon sac Lopro. C'est un sac photo qui fait 55 litres. Celui-là, c'est mon sac photo du quotidien. À chaque sortie, je le prends, même pas en bivouac, parce qu'on a un compartiment à l'arrière qui est ultra intéressant pour bien organiser son matériel et bah, qui sont en sécurité. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de place. Je peux mettre un appareil, mes objectifs, mes recharges, mes filtres. J'ai vraiment la place pour tout. Donc là, vous voyez qu'il a quand même bien vécu. Donc j'ai cet insert photo qui va prendre la moitié du sac. Et sur le dessus, on a un espace vide. Et c'est là que je vais pouvoir mettre mon matériel de camping, mes vêtements, mes accessoires, etc. Donc lui, j'arrive pas toujours à le prendre selon le type de bivouac que je fais. Des bivouacs en été où je vais prendre moins de matériel, de chaud, tout ça, bah, je vais pouvoir plus facilement le faire avec lui. Et quand j'ai pas assez de place, parce que lui, il est bien, mais des fois, il est trop petit. Et dans les cas où j'ai pas assez de place, j'ai ce sac-là. C'est un sac de chez Lowell Alpine, donc la version vraiment axée randonnée. Là pour le coup, il n'y a vraiment aucune chose qui est faite pour la photo spécialement. On est vraiment sur un sac de randonnée. C'est un sac 65 à 75 litres. Là, je sais que là-dedans, je peux mettre vraiment tout qui rentre. Par contre, voilà, il est beaucoup moins pratique pour moi quand je fais de la photo avec, parce que j'ai pas accès à cet insert. Je n'ai pas d'insert à l'intérieur, justement. On a une poche qui est vraiment par le dessus, qui est immense. Sauf que quand on a quelque chose qui est vraiment tout en dessous ou un peu au milieu, c'est assez dur d'y accéder. Donc celui-là, il est bien, il est confortable à porter tout ça, mais un peu moins pratique pour ma pratique de la photo. Donc pour la randonnée de demain, je vais tester d'abord de le mettre dans mon sac photo. Si j'ai la place, je le laisserai dans le sac photo. Si j'ai pas la place, ben, je passerai sur celui-là. Alors pour les sacs à dos, c'est un peu comme les chaussures. Le mieux, c'est d'essayer plusieurs modèles et de voir lequel vous vous sentez le mieux, avec des lestes par exemple à l'intérieur. Ils ont tous des morphologies un peu différentes et selon les personnes, ils vont être plus ou moins confortables. Moi, j'ai fait l'erreur de les acheter en ligne. Le modèle photo, il me va très bien. Par contre, le Low Alpine, j'étais un peu déçu du confort, mais je pense que c'est juste qu'il n'est pas ultra adapté à ma morphologie. Donc la prochaine fois que je vais acheter un sac, je l'achèterai en magasin. Le dernier petit tip que je peux vous donner pour ranger le sac, c'est de mettre le plus lourd au centre de votre sac, au niveau du milieu du dos, ce qui permet d'avoir un meilleur équilibrage et de moins se fatiguer quand on randonne. Donc généralement, c'est là où je vais placer mon eau et la tente, qui sont les deux éléments les plus lourds au final dans mon sac à dos. Est fait. Dans cette vidéo, je vous ai pas parlé de tout ce que je prenais comme nourriture, je vous ai juste parlé des cafés. Mais bien sûr, généralement, je prends des lyophilisés parce que c'est le plus léger et le plus compact dans un sac. En plus, l'autre avantage des lyophilisés, c'est qu'on peut manger directement dedans. On n'a pas besoin d'apporter d'assiette. On a juste à prendre une longue fourchette ou alors une longue cuillère et on peut manger directement dedans. Donc ça évite de prendre encore plus de matériel et en plus, vu que c'est de la nourriture déshydratée, c'est très léger. Donc généralement, je prends ça en plus et je prends des fois quelques barres sucrées, des choses comme ça pour le matin. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pu vous montrer un petit peu tout l'envers derrière mes sorties. Ça représente quand même une grosse partie, la logistique si on peut dire. De préparer les sorties, de préparer l'itinéraire, la route, tout ça, ça prend généralement pas mal de temps que vous voyez pas dans ces vidéos. Je trouvais ça intéressant de vous partager tout ce que je prends avec moi. Si vous avez des suggestions, des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis curieux de les avoir et puis au moins ça permet à tout le monde de le savoir.
savoir. Si vous avez aimé ce format à l'intérieur qui change un peu d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai en faire d'autres sur d'autres tips rando, tips matériel photo que j'ai pu apprendre au fil du temps. Bref, moi j'ai hâte de partir en bivouac demain dans les Pyrénées et ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao.